Bienvenue, voici vos prévisions pour ce lundi 28 décembre. Moins d'agitation, mais toujours quand même beaucoup de vent en provenance d'Islande. Et ces vents vont se diriger vers le golfe de Gascogne avant de prendre la direction de l'Italie. On attend encore des pointes à 100 km/h, voire un petit peu plus. Un front secondaire d'ailleurs va gagner le sud-ouest avec de la pluie. Comptez pas mal de neige sur l'ensemble du relief montagneux en France. Quant au plus gros des pluies, ben, c'est ici qu'on va les retrouver depuis le centre de l'Italie jusqu'à l'Europe centrale. À signaler aussi du côté de Moscou, là, ce moins 7 degrés. C'est de l'air froid en provenance de Sibérie. On attend d'ailleurs quelques pluies verglaçantes d'ici à mardi avant un redout pour la journée de mercredi. Sur le continent nord-américain, on a une zone dépressionnaire qui va circuler sur la Californie et qui va déstabiliser la masse d'air avec donc de la pluie. Ça s'étire jusqu'au Colorado, de la neige attendue sur les Rocheuses. Perturbation aussi qui va affecter le Québec avec quelques précipitations pluvieuses ou neigeuses selon les températures. Belle journée à La Havane. Avec ce 25 degrés, ça remonte tout doucement au niveau des thermomètres, mais on reste quand même en dessous des moyennes de saison. De l'activité orageuse à Sao Paulo comme à Rio, c'est un peu plus actif à Sao Paulo, dans le sillage d'une zone instable présente sur le nord de la Bolivie. On va retrouver des averses également dans le nord-est de l'Argentine. Belle journée ensoleillée à Bariloche. Et comme au Cap, dans la région du Cap, on surveille aussi Chalane, la dépression tropicale, qui va gagner l'est de Madagascar avant de prendre la direction du Mozambique pour la journée de mardi. Belle journée à Bamako, beaucoup de soleil avec 34 degrés. Une amélioration pour Tunis, mais toujours un petit peu de vent le long des côtes jusqu'à Alger d'ailleurs. 18 degrés, les températures remontent. Amélioration dans la région de Médine. Allez, encore quelques averses à l'aube. Après, c'est terminé, c'est un temps sec. Un temps qui va rester nuageux du côté de Bakou. On poursuit avec la péninsule indochinoise sur la partie sud. Toujours beaucoup de soleil. L'instabilité de coutume pour l'ensemble de l'Indonésie et de la Malaisie. Souvenez-vous, notre perturbation présente en Tasmanie dans la région de Melbourne va gagner Canberra et Sydney pour cette journée de lundi, ciel bouché avec de la pluie. Belle journée ensoleillée en revanche à Nouméa comme à Pékin, mais il va faire froid en raison de cet air en provenance de Sibérie. Comptez moins de 2 degrés. Et pour terminer ces quelques images, certaines régions du Royaume-Uni ont dû affronter d'importantes inondations ce samedi. Nous sommes à Bedford, à environ 100 km au nord de Londres. Et donc ces inondations font suite à la tempête Bella, matérialisée par des vents et de la pluie qui ont fait sortir de leur lit de nombreux cours d'eau. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne suite des programmes.